Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et je suis très content d'être de retour parmi vous. C'est vrai que j'avais fait une petite pause, mais là, je suis de retour. Et pour ceux qui découvrent la page, ici, c'est Rai Trading et nous parlons du trading et de l'investissement en bourse. À titre de rappel, le trading consiste en fait à acheter un titre à faible prix et à revendre plus cher. C'est-à-dire qu'un trader doit être capable d'anticiper la hausse ou la baisse d'un titre et prendre son profit. Aussi simple que ça. Et ces titres, en fait, sont par exemple des actions, des obligations, des matières premières, des produits dérivés et bien d'autres. Mais pour acheter ces titres, nous avons besoin des outils qui vont nous aider à acheter au bon moment lorsque le prix est bas ou encore à vendre lorsque le prix atteint un certain sommet. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des indicateurs techniques. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner et surtout à sonner la cloche de notification pour être avertis. Donc, nous commençons directement avec cette vidéo. Les indicateurs techniques, en fait, permettent de repérer et de mesurer une tendance en cours. Les indicateurs techniques permettent de donner une probabilité sur l'évolution future d'un prix. Les indicateurs techniques aussi permettent d'anticiper des corrections. Et bien plus encore, nous pouvons dire que les indicateurs techniques permettent de repérer les retournements de marché grâce au concept de divergence. Il existe plus d'une centaine d'indicateurs, mais nous allons juste étudier les indicateurs les plus utilisés par les traders, les plus importants et les plus utilisés par les traders. Nous allons commencer avec la MACD. Que signifie déjà MACD? MACD déjà, c'est en anglais. Ça veut dire Moving Average Convergence Divergence. Là, je n'étais pas le plus brave en anglais déjà. Donc en français, ça veut tout simplement dire que convergence, divergence des moyennes mobiles. Et cet indicateur, en fait, vous permet de détecter facilement les tendances, que la tendance soit haussière ou baissière. Cet indicateur aussi vous permet de détecter les retournements de marché. Et voici, en fait, comment se présente une MACD. Là, vous avez le schéma devant vous. Et par défaut sur presque toutes les plateformes, la MACD est configurée 12-26-9. Comme vous pouvez bien remarquer là, 12 qui représente la moyenne mobile court terme, 26 qui représente la moyenne mobile long terme et 9 qui représente, là vous voyez 9 à la fin, 9 qui représente le nombre de périodes. Et sur la courbe, en fait, nous avons l'oscillateur des MACD qui est cette petite ligne bleue. Là vous voyez la ligne bleue. Elle est appelée l'oscillateur des MACD. Nous avons aussi la ligne rouge qui est la ligne de signal. Là, vous voyez cette ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est la ligne de signal. Et enfin, sous l'indicateur MACD, nous avons l'histogramme des MACD. Ça, les petits rectangles verts et rouges, on appelle ça l'histogramme des MACD. Et l'histogramme des MACD permet deux choses. Premièrement, il matérialise l'amplitude de l'écart entre les deux courbes, c'est-à-dire la courbe, l'oscillateur MACD et la ligne de signal. Et il représente aussi clairement le croisement entre la MACD et sa ligne de signal. Donc à chaque fois que vous voyez que l'histogramme passe du rouge au vert, ça présente comme vous pouvez remarquer, ça présente un croisement. À chaque fois que vous voyez ça change de couleur, ça veut dire qu'il y a eu croisement entre les deux lignes. Et maintenant, lorsque l'histogramme est vert, ça veut dire que la MACD est au-dessus de la ligne de signal. Et au contraire, lorsque l'histogramme est rouge, ça veut tout simplement dire que la MACD est en dessous de la ligne de signal. Vous pouvez bien remarquer ça sur le chemin. Ici, nous avons l'histogramme qui est rouge et on remarque bien que la MACD est plutôt en dessous. De ce côté, nous avons l'histogramme qui est vert. Et qu'est-ce qu'on voit? La MACD est au-dessus de la ligne de signal. Maintenant, comment utilise-t-on la MACD sur le marché? Là, nous sommes en présence d'un graphique. Là, c'est un graphique classique dont vous allez voir ça sur toutes les plateformes. Nous avons d'abord les cours en chandelier et en bas, nous avons notre MACD.
Donc, pour utiliser la MACD, nous avons deux méthodes. La première méthode, en fait, consiste à lire la tendance de fond du mouvement. Lorsque la MACD est positive, c'est-à-dire que lorsque la MACD se situe au-dessus de la zone de neutralité, nous sommes dans une tendance haussière. Là, nous avons cette zone de neutralité. Là, c'est le trait ici. C'est en fait à zéro et c'est ça qu'on appelle la zone de neutralité. Donc, nous disons que lorsque la MACD est au-dessus de cette zone, nous sommes dans une tendance haussière. Donc là, vous remarquez bien que la tendance est haussière. On peut bien matérialiser pour mieux voir. Là, nous pouvons matérialiser pour mieux voir. Là, vous remarquez bien que la tendance est haussière. Donc, à chaque fois que vous allez voir la MACD au-dessus, sachez que la tendance est haussière. Ici aussi, nous avons la MACD au-dessus de la zone de neutralité. Là, on voit bien que la tendance est haussière. Là, on a la tendance haussière. Maintenant, de l'autre côté, lorsque la MACD se situe en dessous de la zone de neutralité, nous avons la tendance baissière. Donc, nous pouvons voir ça ici. À ce niveau-là, MACD est en dessous de la zone de neutralité et sur le schéma, ça nous montre bel et bien une tendance baissière. Ça nous montre bel et bien une tendance baissière que nous allons matérialiser. Là, nous allons montrer ça pour que ça soit plus clair. Nous avons cette tendance baissière, tout simplement parce que la MACD est en dessous de la zone de neutralité. Ici encore, nous avons la MACD en dessous de la zone de neutralité, ce qui nous donne une tendance baissière, bien évidemment. À ce niveau, nous avons aussi une tendance baissière. Là, nous avons aussi une tendance baissière. Donc là, c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode pour lire la MACD, pour utiliser la MACD. Là, c'est un peu plus important parce que là, nous allons l'utiliser pour acheter ou pour vendre. Comment utiliser la MACD pour acheter ou pour vendre? Qu'est-ce que nous disons? Lorsque la MACD passe au-dessus de la ligne de signal, nous avons là un signal d'achat. Donc, ce que le trader fait, c'est que... Là, je vais d'abord supprimer ça. Donc, ce que le trader fait, c'est que il regarde à quel moment est-ce que la MACD est passée au-dessus de la ligne de signal. Là, il identifie. Là, on voit par exemple que à ce niveau, la MACD, là, je vais matérialiser. À ce niveau précisément, la MACD est passée au-dessus de la ligne de signal. Donc vous voyez que la MACD en bleu est au-dessus de la ligne de signal qui est en rouge. Ça nous a donné un signal d'achat. Nous avons encore ça ici, à ce niveau encore. À ce niveau encore, la MACD est passée au-dessus de la ligne de signal. Là, à ce niveau. Et c'est ça qui a donné aussi un signal d'achat. Nous pouvons bien venir matérialiser ça ici. La ligne de signal. Qu'est-ce que ça nous a fait gagner? Là, ça nous a fait gagner 3,86%. Là, on avait un gain de 3,86%. Et ici, qu'est-ce qu'on gagnait ici? Ici, on avait ce mouvement. On a eu ce mouvement ici. Ça nous fait gagner 1,66%. Donc, maintenant, quand est-ce qu'il faut vendre? C'est le contraire. Il faut vendre lorsque la MACD passe en dessous de la ligne de signal. Donc, nous avons ça ici. Bon, je vous laisse le temps de regarder et vous me dites à quel moment est-ce que la MACD passe en dessous de la zone de signal. Là, pour ceux qui ont trouvé, nous avons ici. À ce niveau, la MACD est passée en dessous de la ligne de signal. À ce niveau encore, la MACD est passée en dessous de la ligne de signal, ce qui nous a donné un signal de vente. Ça nous a donné un signal de vente. Là, on peut venir tracer ça ici. On peut venir ici voir combien est-ce qu'on devait gagner. Là, vous pouvez voir, on avait un gain de pratiquement 2,98%. Ici encore, nous avons ceci. Ici encore, nous avons ceci.
nous avons tout ce mouvement qui nous faisait gagner 3,01%. Donc vous avez les deux méthodes pour utiliser la MACD. Signal d'achat lorsque la ligne, lorsque la MACD passe au-dessus de la ligne de signal. Signal de vente lorsque la MACD passe en dessous de la ligne de signal. Et ce qui est encore plus important, c'est que un autre signe que nous donne la MACD, c'est que nous sommes plus confortés lorsque la ligne de signal s'éloigne de la MACD. Donc, lorsque par exemple ici où nous avons dit qu'on avait un signal d'achat, si vous avez pris position ici à l'achat, lorsque la MACD s'éloigne de la ligne de signal, ceci doit plutôt nous conforter. Ceci montre qu'on a pris une bonne décision. Et au contraire, lorsque la MACD se croise avec la ligne de signal comme ici, ça veut dire qu'il y a changement de tendance. Donc, c'est-à-dire que le mouvement qui était haussier doit devenir baissier. Et exactement, ce chemin nous montre ceci. Ceci, en fait, montre que la tendance en cours est forte. Comme vous pouvez voir ici, ici, on peut bien matérialiser cela ici, là. Là, vous voyez ceci. Là, je vais bien vous montrer ça. Là, vous voyez cette zone. Vous voyez cette zone. À ce niveau, il y a eu cassure. La MACD a coupé la ligne de signal et a commencé à s'éloigner. Ça a montré que le mouvement devait être fort. Et vous remarquez bien que le mouvement a été très, très fort. Remarquez bien le mouvement. Et après, la MACD a cassé encore la ligne de signal vers le bas. Ceci montre qu'il y a changement de tendance. Et le mouvement était aussi fort puisque la MACD s'est éloignée de la ligne de signal. Donc ça matérialise exactement tout ce que je viens d'expliquer là. Donc on ne va pas aller plus loin que ça. On va s'arrêter à ce niveau. J'espère que vous avez compris au moins quelque chose. Donc la prochaine fois, on va toucher un autre indicateur. Je vous remercie et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez la cloche de notification. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.